L'une des expériences surnaturelles qui m'a le plus marquée, c'est justement quand j'ai accepté le Seigneur. J'ai été également baptisée du Saint-Esprit en même temps. C'est-à-dire qu'on était à l'église et il y avait la louange, l'adoration qui était passée, c'était super, on a bien chanté. Et au moment où le pasteur arrive et qui demande à l'assemblée de commencer à prier, alors moi je suis là et je me dis, j'ai prié aussi, hein, je ne sais pas quoi dire, etc. Mais j'élève les mains comme ça au ciel. Et là, je sens comme de l'eau en fait, de l'eau froide qui descend sur tout mon corps. Et au moment où ça descend, j'étais tellement surprise que mon premier réflexe était de crier « Maman !» Et quand en fait j'ai crié « Maman !» Et bien j'ai commencé à parler en langue. Donc du coup j'ai fait « Maman, 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 maman !» Et là en fait j'ai parlé en langue tout le long de la prédication. J'étais véritablement remplie du Saint-Esprit. Et ce même jour en fait, il y avait deux femmes dans l'assemblée qui étaient malades. Il y avait l'une d'elles qui avait un cancer dans un des organes qui est situé au niveau de l'estomac, je ne me rappelle plus lequel, et la deuxième qui avait mal, qui avait un problème au genou. Et donc là, je suis remplie du Saint-Esprit, je prie en langue, je ne contrôle plus rien, et j'imposais les mains à tout le monde. Je mettais ma main sur la tête de tout le monde et tout ça. Et le pasteur demande en fait à me faire venir devant pour que je prie pour ces femmes. Alors, j'arrive devant, et je mets ma main sur le ventre de l'une qui avait un cancer et sur le genou de l'autre pour que je prie pour elle. Et en fait, cette expérience m'a beaucoup marquée parce que je ne me rappelle pas moi-même. C'est des gens qui me la racontent. Je suis incapable de vous dire exactement ce qui s'est passé, de vous décrire la scène, mais c'est des choses en fait qu'on m'a racontées après. C'est l'une des fois où j'ai été le plus remplie du Saint-Esprit de toute ma vie. Et c'est le jour où j'ai parlé en langue pour la première fois. Donc, c'est une expérience qui me marque beaucoup. Et les jours où je suis découragée, en fait, je me rappelle de ça, à quel point Dieu s'est révélé à moi puissamment et qu'il n'a pas changé. Donc, il est capable de le faire de la même manière ou si ce n'est plus.